choque la politique, choque contre le prix de l'essence, choque contre tout le monde dans la société. Pourquoi tu veux mettre un enfant, hein? Mettre un enfant dans une société si pourrie. Puis au fond, tout ce que tu fais là, tu chiales, mais tu fais rien pour que ça change, t'agis pas. Tout ce que tu fais, c'est une attaque. Calvaire. Papa, de ça, t'as pogné une étiquette, là, cette semaine? C'est supposé être les autres qui chauffent mal, mais monsieur, il pogne une étiquette, mais c'est toujours la faute des autres, par exemple, hein? You know about Mike, that. Au fond, là, t'essayes de pas être comme les autres, mais au fond, t'es pareil. J'aimerais être ailleurs, loin, mais pas ici. Je voudrais rêver et ne pas être au présent. Ne pas avoir à me préoccuper de rien. Oublie que je suis, qu'est-ce qui va arriver demain, rien de tout cela. J'ai envie de devenir un animal, une plante, tout ce qui est loin du monde humain. Un monde où tout doit être rapide et où l'homme n'est pas capable de suivre ce qu'il a créé. Un monde où tout semble si lent, mais où tout se déroule à une vitesse incroyable. Que personne vivant sur cette planète n'est capable d'arrêter ce rythme violent. Notre société est malade. Un monde où on doit être le plus fort et où le superficiel recouvre l'essentiel. Un univers qui est stéréotypé, faux, artificiel. Quand tout le monde se prend pour le nombril du monde, comme si ce dernier serait le plus beau, le plus populaire, où l'étiquette « Me, Myself and I » est accrochée au cou de chacun. Quand les bijoux, les autos, l'apparence de soi deviennent plus importants que les besoins fondamentaux comme l'amour, le respect, l'entraide, le marché, le fric, ce jeu de société où l'on gagne lorsque tous les autres joueurs ont été mangés par le vainqueur. Ce dernier déshérite ses adversaires tout en s'emparant du marché. Il se donne le titre de monopole. Hey Mike, toujours le même, hein? Toujours celui qui refuse d'être comme tout le monde. Pour moi, par exemple, moi je suis un avocat, j'ai une belle famille, une maison, j'ai 2 enfants, une belle femme. Le fait d'avoir réuni les autres lui donne une satisfaction, un sentiment de supériorité. Un monde de consommation, de matériel, de biens inutiles, qui ne font que s'infiltrer dans nos habitudes de vie. Où tout doit être en double, gros, et rentable. L'homme choisit le luxe aux besoins. Et il y a la main reine qui dirige nos vies. Cette main, c'est l'argent. Cette chose définit les gens par des classes. Elle leur donne un nom, un titre, qui les classe au niveau des vainqueurs ou des vaincus. Comme si le bonheur et les sentiments humains résideraient sur le pognon, le magot. Avec l'argent, l'innocent est touché par le crime, la violence, la pauvreté. La justice n'est qu'un voile. À la base, la justice devait défendre l'orpheline contre le mal, mais notre nouvelle justice est différente. Elle défend les violeurs, le tueur, contre les barreaux, la cage. Un monde où le vivre et laisser vivre est le slogan préféré des bandits et des bons à rien. Notre société, trop libertaire, prive l'harmonie.
le calme, l'entraide pour laisser place à la pollution. Au vol. L'homme joue contre les forces de la nature en érigeant des édifices. Il crée une nature artificielle, son propre univers conçu de ses propres mains. Tout change. On est rendu à un point où le mot amour, ce mot universel, semble avoir changé de signification. Cette nouvelle marque de commerce ne semble plus avoir le même effet qu'avant. Est-ce un trophée que d'avoir un anneau au doigt? Nous sommes rendus à un point où le respect d'autrui semble être démodé, où l'homme semble se faire un plaisir à détruire les règles d'éthique de base. La politesse, le savoir-vivre sont remplacés par la guerre, le racisme. Que ce soit par la différence de couleur de peau, de langage, il y aura toujours un conflit entre les nations. Il a créé un objet que l'on appelle technologie. Il préfère voguer sur un écran imaginaire que d'affronter la réalité extérieure. Par son mauvais fonctionnement, la cellule, notre monde, méprise ceux qui se révoltent, qui dénoncent cette société malade. Elle donne l'image négative à ces gens. Elle place ses erreurs sur le cou de chaque individu afin de dissimuler ses torts à travers les gestes de chacun.